Espérons que cette journée va finir avec l'expression libre de la volonté du peuple haïtien, malgré quelques incidents que nous condamnons, quelques incidents de violence qui ont obligé à fermer quelques centres de votation. Notre impression, nos informations pour l'instant nous disent que les élections se déroulent en presque totale normalité. Il faut aussi faire un appel aux électeurs. Il faut absolument que les électeurs se mobilisent, que les Haïtiens et les Haïtiennes viennent au bureau de vote pour manifester leur volonté. C'est la seule façon de connaître vraiment la situation de ce pays et la volonté des citoyens et citoyennes de ce pays. C'est par les urnes aujourd'hui qu'on doit connaître la volonté des Haïtiens et des Haïtiennes. L'Union européenne est là pour observer ces élections et pour aider dans un processus qui est un processus clé pour ce pays. C'est le début du chemin de la consolidation de la démocratie en Haïti. Nous avons eu des informations qui nous disent que quelques violences à la porte de quelques collèges ont obligé à l'administration électorale à fermer ce collège. Mais nous espérons qu'ils vont être rouverts et que la police fait son travail pour que tout se déroule en pleine sécurité pour les électeurs. On ne connaît pas des arrestations, mais il doit sûrement y en avoir, puisqu'il y a eu des émeutes. Mais pour l'instant, je n'ai pas les informations précises.